Bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et donc, je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. C'est un vlog à la montagne, donc on va à la montagne, passer un bon moment dans la nature, se ressourcer. On va rejoindre un groupe d'amis qui nous ont invités dans leur maison familiale, voilà. Donc, c'est ça. Donc, en gros, on va passer un bon moment, manger les plats de la région, voilà, et faire quelques activités. Et donc, nous, on les a rejoints un peu plus tard. Donc, pendant que nous, on faisait les courses, eux, ils sont allés à la rivière. Parce qu'il y a une rivière dans les environs, donc passer un bon moment au lac et tout, se baigner. Et donc, nous, on faisait les courses parce qu'il fallait faire une tartiflette le soir. Voilà, donc il fallait faire une tartiflette le soir. Et donc, on est passé faire 2-3 courses dans une ancienne... dont je tairai le nom, voilà. Pas de publicité gratuite. Voilà. Donc, je vous laisserai apprécier la nature dans toute sa splendeur dans ce vlog. Merci. Hello, et donc là c'est le deuxième jour. Donc moi je me suis levée assez tôt pour profiter de ce beau paysage, prendre un peu l'air, voilà, je vous montre les environs. Je me suis fait un petit café que je dégustais en marchant calmement. Je crois qu'il devait être très tôt le matin, environ 6 heures. 6, ouais, je crois 6 heures par là. Moi, je suis matinale, voilà, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, soi-disant. Donc, voilà, je profitais de l'air, voilà, je profitais de la nature. Je me suis mise en aparté et essayé de réfléchir, cogiter. Voilà, j'ai déjà fait ma petite prière du matin. Là, j'étais sortie, profiter de la nature, remercier le Seigneur pour ce beau paysage. Et voilà. Je crois qu'on doit avoir un peu de ce genre de paysage pour ceux qui vivent à Mayanga, Masisia, Kombe au Congo. Ceux qui vivent un peu dans l'arrière-pays, vous devez avoir ce genre de... ce genre de paysage, c'est beau en fait, c'est pas de mots pour décrire ça, mais regardez-moi
ce paysage. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir l'odeur de la nature, des arbres, l'odeur de du bien-être, l'odeur de. Je ne sais pas si je peux vous transmettre les ondes, mais c'est bien. C'est positif, c'est zen. Voilà, dans la zénitude, on profite de la nature. Ça fait du bien, hein, des petites coupures comme ça. Ça fait du bien. Vous quittez un peu la ville, vous quittez un peu la pollution pour partir dans l'arrière-pays, pour partir à la campagne et profiter tous ensemble de ce genre de ce genre d'occasion. Voilà. Je vous laisse apprécier, je parle un peu trop là. Je dois me calmer. Ferrandis, tu te calmes, hein. Laisse les gens profiter de ça. Alors là, on a fini de manger et donc avant de partir, il fallait nettoyer pour que ben pour laisser la maison propre. Donc là, les garçons s'activent, on nettoie, tout le monde nettoie et voilà. Donc moi, je monte un peu, je m'intéresse à la collection de livres. Voilà, donc je regarde, je lis, j'observe. Là, il y a ben, Kim qui nettoie et tout se passe bien. On a tout fait, tout propre et voilà. La maison a été propre, les garçons ils ont tout nettoyé. Moi aussi j'ai aidé à passer l'aspirateur. Et voilà, on a passé un bon moment et je remercie encore nos amis de nous avoir invités pour passer un bon moment ensemble dans la nature. Merci.